Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous m'avez déjà suivi l'année dernière à la même époque, vous devinez un petit peu ce que ça va être. Oui, je vous parle d'une ouverture, de calendrier de l'Avent, puisque aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Oui, pourquoi ne vous ai-je pas pris le 1er décembre? Parce que j'ai fait une petite boulette. Donc comme l'année dernière, Marilyn Titoumamax du blog Summary's Books m'a offert un magnifique calendrier de l'Avent. Je vous dis déjà magnifique puisque j'ai déjà ouvert le premier cadeau. Parce que en fait Marilyn m'a envoyé ce calendrier de l'Avent en même temps que mes cadeaux d'anniversaire. Et je n'avais pas vu le petit 1 sur l'emballage qui m'indiquait que c'était le calendrier de l'Avent. Je l'ai ouvert et j'en ai été tout émue. Donc en fait je vais vous laisser avec les images puisque c'est ce premier jour de décembre, et bien je l'ai déjà ouvert mais nous étions le 7 novembre. Oui, ça fait pratiquement un mois que cette magnifique chose m'attend et me regarde. Passons à la bête. La bête c'est ça. On dirait là qu'il y a une poignée. Ça a l'air d'être une malle. Elle est hyper lourde. Oh, je vais chialer. Donc c'est bien une malle. Avec Harry Potter, 9¾. Oh, elle est splendide. Et... Oh, elle est remplie de cadeaux. Oh, ah non. Je crois qu'elle m'a fait un calendrier de l'Avent. Non. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? 24, 18, 2. Mais c'est pas possible. Elle m'a fait un calendrier de l'Avent. Mais rien que la malle, mais elle est magnifique. Oh, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Oh. Elle est splendide. Bah merci Marilyn. Donc vous l'avez compris, je ne vais rien ouvrir d'autre. Puisque ce sera mon petit bonheur de décembre, d'ouvrir un calendrier de l'Avent spécialement conçu par Marilyn. Voilà. Donc voilà, vous l'avez vu, Marilyn s'est déchirée pour me faire un calendrier de l'Avent, mais splendide, splendide, avec cette malle juste magnifique. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, donc je peux ouvrir déjà mon deuxième cadeau. Ah, j'allais dire Marilyn, est-ce que ça ce sera le 2 hein? Mais en fait, elle a dû se dire que... Voilà, elle m'a facilité la tâche. Donc j'ai le 2, ça m'a l'air d'être un collier, un bracelet. On va ouvrir, ce sera plus simple. Donc déjà rien que la malle, c'est un cadeau de fou. Oh, excellent. C'est trop beau. On est sur un collier serre d'aigle. Voilà. Un magnifique pendentif serre d'aigle.
Je porterai fièrement les couleurs de ma maison. D'ailleurs, vous voyez, je suis déjà en bleu, hein. J'ai les boucles d'oreilles, j'ai tout. Donc plus que ce collier, merci Marilyn. Mais je vais te dire merci 25 fois. Encore une fois cette année. Voilà, ben, je vous retrouve demain, lundi, pour vous montrer ce que contient le numéro 3 que d'ailleurs je n'ai pas vu. Ah si, le numéro 3 est ici. Je vais ranger tout ça. Nous sommes le 3 décembre et je viens de vivre une journée horrible. Vraiment horrible. Je montais pour la première fois en voiture depuis un petit moment parce que je n'ai pas pris mon abonnement de train parce que, si vous ne le savez pas, je me fais opérer le 13 décembre, donc je vais être en arrêt. Et je ne voulais pas prendre mon abonnement de train pour monter seulement 9 fois. Donc j'ai pris la voiture et j'ai mis 1h30 ce matin et 1h20 ce soir. L'horreur. Donc, le numéro 3, j'espère, va me remonter le moral. C'est parti! Oh! C'est vrai que j'avais oublié que Marilyn mettait beaucoup de scotch. Beaucoup. Ah! Oh là! On est vraiment dans la thématique Harry Potter, hein. Ça fait 3 cadeaux, 3 Harry Potter. Donc, c'est un super beau marque-page. Vive d'or. Il est trop beau. Merci beaucoup, Marilyn. Bonjour, on est le 4 décembre et je m'apprête à ouvrir cette petite enveloppe. Oui, j'ai changé un petit peu de décor parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir le sapin dans le dos. Alors, je ne suis pas sûre que l'image soit super claire ou quoi, mais on s'en fout, hein. Dure journée aujourd'hui. J'ai fait, donc je suis montée en voiture au boulot. J'ai fait près de 130 km hein, en voiture aujourd'hui. J'avais mon rendez-vous chez l'anesthésiste. Après, j'ai fait mon entrée à la clinique. Donc, tout est prêt pour mon opération. Enfin, je l'espère. Donc, un petit peu de réconfort sera le bienvenu. Donc, j'ouvre. Ça ressemble à une carte. J'ai évité la story de Patatra aujourd'hui. Parce qu'elle l'ouvre avant moi. Le cadeau. Oh, c'est une chouette illustration. Ouais, c'est une petite carte. Ah, voilà. Ça y est, j'ai réussi à avoir un focus digne de ce nom. Donc voilà, une carte postale. Trop jolie. Dernier déballage de la semaine. Nous sommes mercredi matin. Mercredi 5 décembre. Et ça, bah ça ressemble à marque-page parce que Marilyn aime bien faire des marque-pages. Mais il y a un gros truc là en plein milieu. On y va. Oh, alors. Alors c'est pas un marque-page. C'était juste l'emballage. Et donc, il s'agit d'un porte-clé avec Fifi Bastille. Voilà. C'est très chouette. C'est très joli. Merci beaucoup. Je clôt ici cette première semaine de cadeaux du calendrier de l'Avent. Alors, ça fait pas une semaine complète, mais je vous publie la vidéo demain, donc jeudi, aujourd'hui, que vous voyez la vidéo. Donc je m'arrête là, j'espère que ces petits déballages de cadeaux vous plaisent. Et moi je vais continuer puisque j'en ai encore tout plein, on n'est que le 5 hein. Et je pense que je vous ferai une série de 4 vidéos, comme l'année dernière il me semble. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, moi je suis trop contente, c'est un petit bonheur tous les jours de déballer ça. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et un gros bisou à Marilyn. Un gros bisou.